temps. C'est quelqu'un qui a... C'est à qui ça? C'est à qui? Un dictaphone. Il va commencer à se mettre en marche. Ah oui. Voilà. Posez quelques questions, s'il vous plaît. Posez questions. Il y a eu déjà l'annonce de cette activité, cette marche d'audience. Elle a été annoncée sur la fusion de la question statée. Est-ce que l'Église avait fait les diligences qu'il fallait auprès des autorités en vue d'encadrer cette marche qui devait se faire? Parce que quand on lit le courrier qui a suivi l'annonce de cette marche, on constate que le cardinal dit qu'il a autorisé l'organisation, ce qui voudrait dire que les services de l'archevêché devaient se mettre en branle pour rendre ça concret. J'aimerais savoir ce que déjà il y a eu des diligences auprès de l'autorité sécuritaire pour encadrer cette marche-là. Les diligences ont été faites, les dossiers ont été déposés et nous avons le papier qui montre que nous avons fait diligence. De toute façon, l'Église est très organisée. Nous ne faisons pas les choses de manière... On respecte les normes, on a envoyé, des gens sont allés et on a le retour du papier signé disant que nous avons déposé pour faire une requête pour dire que nous avons cette manifestation et nous avons besoin aussi des services de sécurité pour nous encadrer. J'ai rendu le nouveau email. Je veux savoir, est-ce que le fait de délocaliser, ça ne dénature pas ou bien ça n'enlève pas à l'esprit de cette journée brillante son objectif? C'était une marche pour la paix. Le but de cette rencontre, c'était prier pour la paix. Il y a plusieurs méthodes de prière. Il y a ce qu'on appelle les prières obligatoires. Nous avons des pèlerinages, nous avons des marches, nous avons comme le chemin de croix. Ce qui était prévu, c'était se rassembler à la place de la République et venir avec le Saint-Sacrement en une procession et arriver ici, célébrer la messe. Pendant le parcours, il y avait des pauses à des endroits précis où il y avait l'exposition, comme on le fait à la fête du Saint-Sacrement. C'était tout simplement ça, et puis terminé par la messe. Il n'y avait pas autre chose. Et la messe, elle était présidée par le cardinal. Au cours de cette messe, on parlerait de paix et de réconciliation, et on enverrait les jeunes en mission pour qu'ils puissent militer et aider à une élection, sans trouble, sans violence. C'était tout. J'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle de marche, déjà on pense à revendication. Et c'est vraiment extraordinaire qu'une marche, parce qu'on a entendu marche, on pense déjà à revendication et à tout cela. Je pense que c'est à l'image de notre intelligence ou bien de notre mémoire. Parce que pour des gens qui sont posés, il faut d'abord savoir le contenu de cette marche. Et ce contenu, il a été déposé au ministère. Quand on fait la demande, il y a quand même le programme et tout qui était dedans. Et je sais que le ministère lui-même sait ce qu'il y a. Donc, il n'y a même pas de problème à ce niveau. Le problème, c'est sur les réseaux sociaux, des gens qui sont, on pourrait dire, analphabètes sur ce plan-là, qui ont commencé à réagir de manière épidémique. Et voilà. Je voudrais savoir quel a été le retour du ministère concernant votre demande. Comment ? Par rapport à la demande sécurisée, quel a été le retour du ministère ? Est-ce qu'ils ont autorisé ou pas ? Dans un premier temps, ils ont dit il n'y a pas de problème, ils vont nous revenir avec, ils veulent le nombre de personnes exactes pour qu'on puisse le faire. C'est tout.
partout quand vous faites, vous déposez et vous organisez, vous lancez votre système de communication. On lance le système de communication. Nous, on n'a pas de problème avec le ministère. Il y a un communiqué dans lequel ces personnes qui ont appelé à s'attaquer aux jeunes catholiques sont recherchées. Quel commentaire vous faites là-dessus? Mais le procureur, il fait son travail. Nous n'avons rien à dire. On nous dit de ne pas nous mêler de ce que les gens font. Et vous, vous voulez maintenant que je donne un point de vue sur ce que le procureur a fait? Il fait son travail. Chacun fait son travail. Nous sommes en train de travailler. Mon père, la marche pour la paix du 15 février, que vous avez, qui a été localisée ici au sein de la cathédrale, est-ce que vous n'avez pas reçu une pression de la part du pouvoir? Est-ce que le ministère vous a reconnu complètement? Pourquoi est-ce qu'on va avoir une pression? Non, on n'a pas eu de pression. Nous sommes conscients que il y a des choses qui se passent et nous savons qu'il y aura une mobilisation de personnes. Nous ne sommes pas du genre à jeter des gens à la pâture devant des gens qui semblent être inconscients. Nous sommes des gens qui prenons, disons, le poids des choses. Hein, et nous disons, s'il y a des gens, on ne veut même pas qu'il y ait un sang versé. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Les jeunes, peut-être qu'ils veulent même. Mais par respect, parce que notre église est organisée, par respect pour l'évêque, qui maintenant, c'est maintenant que les jeunes vont apprendre aussi ce message, par respect pour l'évêque et pour leur pasteur, ils vont se ranger et ils vont venir là. Parce que le pasteur qu'est le cardinal ne voudrait pas qu'un seul sang de ses fidèles soit versé. Il ne peut pas amener les gens à la pâture devant des gens qui sont incontrôlés et qui peuvent parler comme ils veulent devant tout le monde. Donc vous n'y avez pas eu de pression? On n'a pas eu de pression. Nous l'avons décidé de notre propre chef, on n'a pas eu de pression. On ne peut pas avoir une pression, pourquoi? Mon père, est-ce que vous ne vous attendiez pas à ce que nous sommes en train de vivre? Puisque les informations que j'ai, c'est que ce n'était plus une affaire du diocèse d'Abidjan, c'était la province ecclésiastique d'Abidjan qui était intéressée ou alors qui était impliquée dans cette organisation. Oui, mais ce n'est pas nouveau. Quand on fait une activité et que c'est une activité qui est bonne, les autres jeunes ou bien les gens qui sont dans le même mouvement s'allient à ça pour donner plus de force à la chose. Ce n'est pas que ça a été quelque chose, non. C'est quelque chose qui est bien et les autres, on se sont dit, ah, nous n'avons pas pensé à cela, on va venir et on va le faire. Pour faire la paix, quand on dit on veut faire la paix, on n'a pas de problème. Tout ce qui a bon, fait, bon, est-ce que le ministère vous a répondu concrètement quand vous avez fait votre démarche? Je vous dis que nous avons déposé, ça a été inscrit. Ça a été inscrit. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est quand on ne veut pas, s'il y a quelque chose, on vous dit tout de suite, on le dit. C'est en un jour, on a déposé et ils ont reçu. Et on a déposé, ça fait quand même un temps. Mais nous n'avons pas de problème avec le ministère. Je vous le dis, nous n'avons pas de problème avec le ministère. Ne m'amenez pas sur le problème. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a des individus qui ne sont pas contrôlés et qui disent tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, mon frère, je voulais te demander, quand il y a des marches, l'État est là pour cadrer. On a des structures qui sont là, il y a l'argent du contribuable qui paye ces personnes-là pour encadrer. C'est l'État qui décide, qui devait vous dire, bon, on accepte, mais voilà comment on fait l'encadrement, puisqu'il y a la police, il y a les militaires, il y a les gendarmes. S'ils ne disaient rien, c'est parce qu'on ne doit pas le faire. Alors, s'il vous plaît, moi, je n'entrerai pas dans ces considérations. Ce que je voudrais dire, nous avons écrit. Nous avons le papier qui nous dit que ça a été déposé. C'est tout. Nous n'avons pas reçu le papier nous disant « vous ne marchez pas ». On nous n'a pas reçu donné de papier pour nous dire « vous marchez ». Nous avons pris le pouls après avoir vu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est tout. Et je voulais dire, et j'insiste là-dessus, pour la paix, l'évêque ne va pas jeter les jeunes à la pâture devant des gens qui sont inconscients et incontrôlés. Ça, je maintiens cela. Et c'est ce qui a motivé justement la concentration de cet événement spirituel-là. En fait, lors de dernier rassemblement de jeunes, vous étiez auprès des 35 000. Là, c'est annoncé 20 000. Est-ce que le nombre de jeunes aura, le site de la cathédrale aura obtenu ce nombre? Si je pouvais, ce n'est plus diocésain, c'est provincial. Donc, 4 diocèses qui sont impliqués. Ben, écoutez, la structure, les structures de la cathédrale, ce n'est pas
dans l'enceinte même de la cathédrale, nous avons l'esplanade, nous avons tout le tour. Nous allons mettre les moyens pour que les jeunes vivent cet événement dans la prière et surtout qu'ils rentrent dans cette volonté de l'archevêque qui est de former les jeunes à la non-violence et à la paix. Mon père, on taxe l'Église catholique d'être la voix des partis d'opposition à travers le message qui a été produit lors de la 114e Assemblée plénière. Avec la situation que nous sommes en train de vivre, est-ce que l'opinion publique ne pourrait pas dire que c'était vraiment ça? Surtout que les partis d'opposition étaient prêts pour participer à ces marches. Écoutez, nous n'allons pas entrer dans les considérations. Quand nous étions en train de préparer ces choses-là, nous n'avions pas les partis politiques, nous n'avons pas toutes ces choses-là à côté de nous. Nous avons pensé notre chose et nous, c'est une rencontre de prière, ce n'est pas une rencontre politique. C'est une rencontre de prière, ce n'est pas une rencontre politique. Et ça, il faut que les uns et les autres le sachent. En Côte d'Ivoire, ici, on est un peu trop fébrile. C'est une rencontre de prière. Et cela, je tiens à le répéter, ce n'est pas une rencontre politique, c'est une rencontre de prière. Et quand vous voyez ce qui devait se passer, il n'y a rien de politique. C'est prier, la messe, exposition du Saint-Sacrement. C'est tout. Alors, que des gens adhèrent, s'ils sont catholiques, s'ils sont sympathisants qui viennent, ben ils n'auront pas la parole. Nous sommes en train de prier, ils n'auront pas la parole. On ne donnera la parole à personne. C'est nous qui prions. Si vous venez, vous entrez, vous priez avec nous. Si vous venez, vous n'avez pas droit à la parole. C'est tellement clair et chose que je ne vois pas pourquoi on peut s'inquiéter pour dire que l'Église catholique n'est pas la résonance d'un parti politique. On dit ce qu'on ressent et nous, toute l'Église soutient les évêques dans ce qu'ils ont dit parce qu'ils attirent l'attention les uns et les autres. Il ne faut pas lire le message des évêques dans un prisme déformant. Je parie que tous ici, vous n'avez pas lu entièrement le texte des évêques. Il y a des gens qui voient ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et qui parlent. Il faut prendre le texte, le lire et voir ce qui peut aller pour moi et ce qui peut aller pour les autres. Il ne faut pas prendre le texte en se disant « Ah, c'est bien, ils ont bien parlé aux autres, mais à vous. » L'Église ne s'adresse à personne. L'Église attire l'attention. L'Église tire la sonnette d'alarme sur certains faits. On ne peut pas être... Certains faits politiques. Comment? Parce que c'est les hommes politiques qui menacent la paix. Qu'est-ce que vous appelez la politique? Moi, je suis ici. Si je suis agressé, je ne peux pas dire qu'il y a l'insécurité dans ce pays. Est-ce que c'est faire la politique, ça? Ce n'est pas des acteurs. Ah, oui, mais... Et comme l'Église est dans la société, c'est comme ça que les divins ont pris votre message. Et bien, voilà que l'Église catholique... nous appelle pour... Mais alors, si nous avons notre message s'adresse au peuple, à tous ceux, aux hommes de bonne volonté et aux hommes de foi, si le message, il y a des gens qui adhèrent à ça, mais ils adhèrent, il ne faut pas qu'ils disent que c'est à cause de leur politique que nous faisons. Non, c'est pas ça. Nous n'adhérons à aucune politique. Peut-être que c'est vous qui adhérez à ce que l'Église dit, mais l'Église n'adhère pas à votre politique. Ça, il faut que je vous le dise. C'est vous qui adhérez à ce que l'Église dit. Alors, donc, ne pensez pas que vous avez dit, voilà, il y a des thèmes qui sont déjà utilisés dans la Bible. C'est comme si, aujourd'hui, je dis le vivre ensemble, et puis parce qu'un parti politique a parlé de vivre ensemble, vous avez pensé que c'est le parti politique qui l'a dit déjà. Non, le vivre ensemble, c'est dans la Bible. Donc, c'est pas parce que le parti politique... Donc, c'est peut-être ces partis politiques qui viennent vers l'Église, qui se retrouvent dans l'Église, mais c'est tout. Mais s'ils se retrouvent dans l'Église, c'est pas eux qui vont nous diriger. C'est nous qui avons les guides, qui avons qui dirigeons la PAC et nous faisons ce que nous pouvons en fonction de notre objectif à atteindre, qui est la paix, la réconciliation et le bien-être des Ivoiriens. Je vous remercie.